أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لا سويت نوتر كور كونسيرنون de la condamnation ou bien de la réprobation des honneurs et de l'ostentation. On a fini la première partie concernant les honneurs. Maintenant, on va voir l'ostentation, et on a déjà presque fini la partie concernant les degrés de l'ostentation. La pire, c'était l'ostentation pour arriver à faire un péché. Donc, utiliser la religion comme échelle pour atteindre, faire un haram. Voilà. Comme celui qui essaye de montrer qu'il est religieux pour avoir un poste comme juge ou comme responsable du Hajj pour voler l'argent des pèlerins. Donc ça, c'est la pire ostentation. Utiliser la religion pour faire des obéissances. Donc on a vu un cas aussi, la suite de ce cas, il a dit فَيُرِدُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ سَاتِرٌ لِعِبَادَتِهِ ثُمَّ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى شُرْبٍ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى أَنْ يَذْكُرَ لِنَفْسِهِ فِيهِ عُذْرًا. Donc ici il parle de quelqu'un qui ne gèle pas. Mais il donne cette image qu'il est jeûneur. Et s'il remarque que quelqu'un l'a vu, l'a observé en train de boire, il va mentir et chercher une excuse. Donc là, c'est l'ostentation. Il essaie de cacher, comme quoi il cache aussi son jeûne. C'est le double mensonge, si je peux dire. Et troisième chose, il peut mentir en cas où on a découvert sa réalité. تصريحا أو تعريضا بأن يتعلل بمرض يقتضي فرط العطش ويمنع من الصوم أو يقول أفطرت تطيبا لقلب فلان. Il mentionnera plus tard cet épisode sous forme d'une histoire en disant: un tel qui aime beaucoup les frères et qui tient absolument à leur offrir à manger m'a invité un jour à partager son repas sans me laisser d'échappatoire. Il dira aussi en guise d'excuse: ma mère, qui a beaucoup d'affection pour moi, pense que si je jeûne un jour, je tomberai malade. Aussi ne me laisse-t-elle pas jeûner. Ceci et les autres fléaux d'ostentation semblables ne courent sur la langue que lorsqu'ils sont profondément enracinés à l'intérieur. Donc des fois il jeûne pas, il veut pas jeûner. Et si on constate qu'il est en train de boire, il a dit: j'ai mangé, wallahi, pas pour faire plaisir à mon invité. Ou peut-être ma mère m'a empêché de jeûner. Alors que ce n'est pas vrai. Donc il veut montrer cette image d'un pieux qui jeûne. Alors il peut mentir même pour avoir cette image. Et ça, c'est aussi de l'ostentation blâmable. ثم قد يذكر مش تمشي على الفيديو لا هنا هنا مش تسجل على برجي نعم
Ah là, c'est bon, 5. Oui. Cinq. Oui. Donc il va inventer une histoire comme c'est comme quoi sa maman l'a empêché par crainte pour sa santé, etc. Il invente même une histoire. عرض مثل أن يقولن فلان محب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه وقد ألح علي اليوم ولم أجد بدا من تطيب قلبه ومثل أن يقول إن أمي ضعيفة القلب مشفقة علي تظن أني لو صمت يوما مرضت فلا تدعني أصوم فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. Donc pourquoi l'homme arrive à inventer facilement des histoires comme ça avec la langue? Parce que l'ostentation est enracinée dans son cœur. أما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه. Quant au sincère, il ne se soucie pas du regard des autres. فإن لم يكن له رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره أي غير الله ما يخالف علم الله فيكون ملبسا. S'il ne désire pas manger, il sait que Dieu en a connaissance. Et il ne veut pas que les gens croient le contraire, car ce serait les induire en erreur. Ça nous arrive, par exemple, un lundi, quelqu'un vient te dire, ah, mashallah, tu jeûnes aujourd'hui. Ça, c'est déjà, c'est pas bien. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, tu jeûnes ou pas. On a vu ça. Alors, la personne n'avait pas l'intention de jeûner. Comment il va répondre? Il va dire quoi? Il va être gêné. Hein? Gêné, il va faire non, quoi? On sort pas. Le sincère va dire quoi? Non, je ne jeûne pas. Une autre personne peut inventer des histoires. Oui, Allah, je voulais jeûner, subhanallah, j'ai oublié. Je remets le pouce à mentir. Voilà, c'est presque mentir. C'est mentir, mentir. وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله إذن المسألة كلها أهم شيء أن يعلم الله عز وجل علم البشر أم لم يعلم donc le plus important c'est que Dieu le sache ça c'est le plus important on cherche pas que les gens sachent que je suis jeune il se contente que Dieu le sache et n'en fait pas et n'en fait part à personne. وَلَمْ يُشْرِكْ فِيهِ غَيْرُ Donc c'est le riya, c'est lié à l'unicité. وَقَدْ يَخْطُرُ لَهُ أَنَّ فِي إِظْهَارِ اِقْتِدَاءُ غَيْرِهِ بِهِ ويجي الشيطان يلبس عليه. ولا لما ننظر الصيام. الشخص اللي أمامي سيقتدي بي. يقول مرة القادمة لا والله تنصوم كما فلان. شفت الشيطان كيفاش وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور وسيأتي شرح ذلك وشروطه et s'il désire jeûner pour Dieu il sait que Dieu en a connaissance il se contente que Dieu le sache et n'en fait part à personne il pense que s'il manifeste son état les gens le prendraient pour exemple et éprouveraient plus de respect à son égard et que cela comporte embûche et vanité. Donc des fois aussi le diable vient te dire « Montre que tu jeûnes pour encourager les autres à jeûner. » Et ça c'est de la ruse, subhanallah. هذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه وهو من أشد المهلكات
Nous reviendrons sur ce sujet, peut-être dans le livre de la vanité, et expliquerons ces conditions. Voici donc les degrés de l'ostentation et les rangs des ostentateurs, parce que c'est des degrés. Hein. Donc la limite de l'ostentation, c'est le début de l'hypocrisie. Si je peux dire la fin, hein, là où commence vraiment l'hypocrisie. Donc, voici les degrés de l'ostentation et les rangs des ostentateurs qui encourent tous le mépris et la colère de Dieu. Il s'agit de l'une des pires causes de perdition. Donc ce livre, il parle des causes de la perdition, les maladies du cœur. Et ça, c'est une maladie très, très, très grave. « وَإِنَّ مِنْ شِدَّتِهِ أَنَّ فِيهِ شَوَائِبِهِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرْ يَزِلُّ بِهِ فُحُولُ الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنِ الْعُبَّادِ الْجُهَلَاءِ بِأَفَاتِ النُّفُوسِ وَغَوَائِلِ الْقُلُوبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ » Car elle comporte, pourquoi c'est vraiment la pire cause de perdition, ou parmi les pires causes, car elle comporte des vices plus secret que la marche des fourmis, comme le rapporte la tradition. La marche des fourmis, donc. Est-ce que tu entends la marche des fourmis? Dans le sens, c'est très secret. Il égare aussi bien les savants les plus avertis que les serviteurs qui ignorent les vices des âmes et les épreuves des cœurs. Et Dieu est plus savant. Et regarde, c'est toujours l'humilité de nos ulama. Alors, bayanu riya al khafi alladhi huwa akhfa min dabib an-nam. De l'ostentation cachée qui est plus imperceptible que la marche lente des fourmis. I'lam anna ar-riya jali wa khafi. Jali dhahir, khafi batin. Sache que l'ostentation est manifeste ou cachée. فالجلي هو الذي يبعث على العمل. صاحبه يظهر العمل. Celle qui est visible incite à agir même pour obtenir une récompense. ويحمل عليه. Celle-ci est la meilleure et à un degré moindre. Il y a celle qui, en soi, incite à ne pas agir ou à diminuer les œuvres vouées à Dieu. وَلَوْ قَصَدَ الثَّوَابُ وَهُوَ أَجْلَهُ وَأَخْفَ مِنْهُ قَلِيلًا هُوَ مَا لَا يَحْمِلُ عَلَى الْعَمَلِ بِمُجَرَّدِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُخَفِّفُ الْعَمَلَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ كَالَّذِي يَعْتَادُ التَّهَجُّدَ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَزَلَ عِنْدَهُ ضَيْفٌ تنشط له وخف عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلي لمجرد رياء الضيفان. Donc, il va donner une ostentation cachée, par exemple ici, comme celui qui est habitué à veiller en prière toute la nuit, mais qui, lorsqu'il a un hôte, prie moins pour pouvoir s'occuper de lui. S'il n'en espérait pas la récompense, il n'aurait pas prié pour ne pas étaler sa dévotion devant ses hôtes. Alors, c'était pas ça. Donc, d'habitude, il y a l'ostentation manifeste qui pousse à agir, d'accord. Je vais mettre le deuxième.
Voilà. Donc, il reçoit des invités. La traduction peut-être n'est pas bonne ici, n'est pas exacte. D'habitude, il veillait la nuit, la personne. Un jour, il reçoit un invité. Ce même jour, cette nuit, il ressent que la prière est très difficile pour lui. Mais grâce à la présence de son hôte, il trouve de la facilité. Là, c'est une ostentation. Donc lui, il cherche vraiment, il a l'habitude de faire la prière de nuit, il cherche la récompense de Dieu. Mais la présence du hôte, de son invité, lui facilite, si je peux dire. Donc c'est une, si je peux dire, c'est une manifeste, c'est une ostentation légère. Voyez, est-ce que c'est clair? هو يصلي بطبيعته كل ليلة، لكن لما جاء الضيف نتاعو خف عليه أداء هو لم معناتها ثقل عليه في تلك الليلة، لكن حضور الضيف خفف عنه أداء الصلاة، يعني صلى حتى يظهر شوية كذلك ليه؟ وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضا. Donc ça, c'est toujours, ça reste lié à l'action. Il y a une action, une ostentation par l'action. ولكنه مع ذلك مستبطن في القلب ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات وأجل علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته. Il y a l'ostentation par le cœur. Ça, c'est par l'action, d'accord? J'ai fait la prière de nuit pour montrer à mon hôte que je suis pieux, d'accord? Hein? Mais là, c'est un peu vu que j'ai l'habitude de faire cette prière chaque nuit, c'est moins grave que celui qui ne prie jamais et une fois son hôte est chez lui, il commence à prier. Ça, c'est plus grave. Vous voyez? مش كيما الانسان اللي عمره ما صلى قيام الليل وجاء ضيف ولا يصلي في قيام الليل هذه رياء 100% ça c'est 100% l'autre donc la présence du hôte a facilité si je peux dire ça c'est l'ostentation par l'action maintenant on va voir l'ostentation par le cœur et ça c'est plus imperceptible que la marche de la formule. Alors, regardez ce qu'il va dire maintenant. فرب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك. يعني صلى بالليل وعمل كذا وكذا ولكن يجي فلان يقول له ما شاء الله عليك البارح شفنا الضوء شاعل عندك وظهر فيك كنت تقيم في الليل لا ما لكن في داخله فرح بذلك الأمر هذا رياء خفي puis il y a celle moins grave qui n'incite ni à œuvrer ni à négliger ou à alléger ses actions elle est enfouie au fond du cœur Et du moment qu'elle ne se manifeste pas extérieurement, on ne peut la reconnaître qu'à travers des signes. Le plus évident est la joie que ressent l'individu quand les gens sont mis au courant de la dévotion. La joie, tu ne peux pas la voir. Donc c'est une manifestation intérieure. D'accord? Il se peut qu'il s'agisse d'un serviteur sincère dans son œuvre cultuelle. Sincère. Par exemple, il a prié la nuit chez lui, d'accord? Hein? Sincère, il déteste l'ostentation. Qui ne croit pas en l'ostentation, la déteste, la repousse et qui parachève son œuvre. Il a tout fait. Mais si les gens sont au courant, cela le réjouit. Rafraîchi
et apaise son cœur après le sacrifice que comporte sa dévotion. Comme j'ai donné un exemple, tu as prié la nuit, moi j'ai passé, ou bien tu as passé à côté de ma maison, tu as vu la lumière la nuit. Le lendemain, le matin, tu me dis, Masha'Allah, on t'a vu, j'ai vu la lumière, probablement tu as prié la nuit, Masha'Allah. Je dis, peut-être je cache, je fais pas, je montre pas ma joie, mais je manifeste la joie intérieurement. Donc ça, c'est l'ostentation qui est plus imperceptible que la marche de la forme déformée. Par exemple, il a donné un exemple, il vous parlera plus. وارتاح له وروح ذلك على قلبه شدة العبادة وهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح السرور من جاء السرور هذا donc quelle est la cause de cette joie? C'est une manifestation, elle a des racines. La racine, c'est quoi? C'est une ostentation enfouie au fond du cœur. ولولا التفات القلب الى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس حتى وهو يصلي وهو يصلي قلبه يعني لا بعد ما صلى وكذا وكان مخلص قلبه ملتفت الى الناس يهمه نظره الناس دونك لوستونتاسيون سي كوا سي avoir le cœur occupé par la vision des autres. Le jugement des autres. Et subhanallah, là, on est tous. Même si on ne montre pas nos dévotions, ça nous fait plaisir que si quelqu'un vient nous dire « Ah, mashallah, tu as assisté au cours ?»« Mashallah. » Ou « Tu as fait ça, tu as fait ça. »« Tu as fait l'umra. » Même si je vais cacher ma umra. Subhanallah. Donc Allah nous libère. C'est pour ça que je dis la ilaha Allah, c'est vraiment l'ultime objectif de notre existence. Kifesh nhaqqu la ilaha Allah khalis, tamam. Allah pardonne bien sûr, mais au moins essaye de goûter à la réjouissance de la ilaha Allah. On essaye de goûter à la réjouissance. Si le cœur est altéré par l'ostentation, c'est difficile de connaître cette jouissance. Et le cœur fait chouïa min chawa'ib, hein? Le marad hada la yadhuq halawat la ilaha illallah. Nazrat an-nas, hadi mushkila kbira. Le regard des hommes. Ah, ça c'est le jugement des hommes. Subhanallah. Il suit bien sûr tout le monde maintenant, il parle. On voit l'image extérieure sur les réseaux sociaux tout ça. On a parlé ça. Mais même dans la religion aussi, l'ego est là. Donc, il se peut qu'il s'agisse d'un serviteur sincère dans son œuvre cultuelle, qui ne croit pas en l'ostentation, la déteste, la repousse, et qui parachève son œuvre. Mais si les gens sont au courant, cela le réjouit, rafraîchit et apaise son cœur après le sacrifice que comporte sa dévotion. Donc cette satisfaction chez les gens, c'est pour lui comme une récompense qui l'apaise et enlève les douleurs de l'adoration, l'effort, hein, la souffrance de la dévotion. Sa joie est un indicateur de quoi? De l'ostentation cachée à l'origine de son allégresse. N'était-ce l'intérêt de son cœur pour les gens, sa joie ne serait pas apparue après avoir su que les gens étaient informés de sa dévotion. Pourquoi il a manifesté cette joie? Pourquoi cette joie est apparue? Parce que il donne, dans son cœur, il y a un intérêt pour les gens. Donc c'est ça toujours. Iltifat ila tila' al-nas alayh. Iltifat al-qalb ila al-nas. Iltifat al-qalb ila al-nas.
فقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر. Il donne un exemple. Vous connaissez les pierres là pour déclencher le feu. Ça, je sais pas comment on l'appelle ça. Donc cette pierre contient à l'intérieur du feu. D'accord? Elle peut produire du feu. D'accord? Mais tu vois rien. Quand tu prends la pierre entre tes mains, tu vois pas. D'accord? La même sur le cœur contient de l'ostentation. Le regard des gens l'a fait apparaître. Ce mouvement entre deux pierres a déclenché le feu. C'est joli cette image. Jésus est le calbi, c'est le mieux. Donc on l'a appelé c'est le chirurgien du cœur ou l'espion du cœur. On détecte les criminels. C'est ça lui-même. C'est bon, comment il... Subhanallah. Var, mais fais mes chéries. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'ostentation. Le cœur. Mais il suffit qu'un regard se projette sur ton dévotion. Pour que cette ostentation apparaisse. L'ostentation est enfouie dans le cœur comme le feu dans la pierre. Et la connaissance de son état par les gens lui procure de la joie et du bonheur. Voilà. Subhanallah. On a fait deux pages, on a fini à l'heure de deux pages. C'est notre subsistance aujourd'hui. Ça, c'est Inch'Allah, la subsistance d'un autre jour. Ou, Inch'Allah, peut-être, dans la vie de l'au-delà, on va continuer à apprendre, Inch'Allah. Je pense que c'est l'apprentissage, c'est la récompense. Une récompense parmi les récompenses des gens du paradis. Il y a des gens sur cette terre, ils vivent pour un seul objectif, l'apprentissage, le savoir. Donc leur jouissance, c'est apprendre. D'accord? Donc dans la vie de l'au-delà, tu vas lui donner une villa, ça ne lui intéresse pas. Comme si je viens te donner, par exemple, aujourd'hui, un jeu d'échecs, alors que tu aimes la natation dans le paradis. Donc ça n'a pas de sens, ça c'est pas intéressant pour toi. Donc, pour ces gens-là, peut-être Allah va les récompenser par des cercles de savoir. On va s'asseoir avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va nous enseigner peut-être. C'est joli, hein? On va écouter les hadiths du prophète, mais directement de lui. C'est beau, hein? Mieux que les fleuves, le miel, les appartements et tout au paradis. Alhamdoulilah, Inch'Allah, ça sera une récompense dans l'au-delà. Est-ce que vous avez une autre remarque à faire? Juste une question, cher. C'est que l'ostentation, elle peut dire l'amal salih. Ça m'a dit, ça c'est une bonne question. Allahu a'lam. Et sûrement il va répondre lui-même. Sûrement il va répondre. Rahmat Rabbi Wasa'i. Rahmat Rabbi Wasa'i. Mais si tu pèses d'un côté cette ostentation et de l'autre côté la récompense parce que tu étais sincère, tu l'as fait. Voilà. Après, on va voir la différence. Supposons là c'est une sincérité de 50 et là c'est une ostentation de 30. Peut-être il nous reste 20. Allah, j'imagine comme ça. Mais c'est deux péchés différents. Parce que tu as fait ta dévotion vraiment sincèrement. Donc tu seras récompensé pour ça. Et entre guillemets, voilà, tu perds. Normalement, on n'est pas responsable, par exemple, des questions ou de, par exemple,
Le fait que les gens, par exemple, surveillent ou observent ou sentent. Ça, c'est sûr. Mais on est responsable de d'extirper l'ostentation de nos cœurs. Moi, je vous dis, Inch'Allah, en suivant ce cours, parce que lui, il a dit, ça, c'est une science obligatoire. Ce n'est pas vraiment de Allah, c'est un plaisir. Il a dit, non, c'est une science obligatoire. Le seul savant qui a considéré que la science du cœur est obligatoire, alors que les autres sciences, comme approfondir ses connaissances sur les hadiths, par exemple, liés aux ablutions, n'est pas obligatoire. Il a dit, tu sais comment faire les ablutions? Alors, maintenant, nettoie ton cœur. Ça, c'est plus important que chercher dans les livres les divergences entre les ulama et les doctrines et tout. Donc, ça, c'est l'avis de l'imam Razi. Personne ne l'a suivi presque, sauf les adeptes qui sont convaincus de cette voie. Mais les savants, j'ai jamais vu un savant considérer que lire sur l'ostentation est obligatoire. Lui, maintenant, tu as assisté à ce cours. Alhamdulillah, donc, Inch'Allah, même si je tombe dans l'ostentation cachée, Allah me pardonne parce que j'essaie de faire un effort, mais c'est plus fort que moi. Par exemple, si on fait quelque chose, donc normalement, tu ne dois pas avoir cette joie dans le cœur. S'il y a la joie, c'est qu'il y a au fond du cœur une ostentation qui a dégagé cette joie. Voilà, c'est vraiment un travail sur le fond du cœur. C'est ça la sincérité. Lui-même, hein, il a dit avant de mourir, la sincérité, la sincérité, la sincérité. C'est un travail continu. C'est ça la beauté de l'islam. La beauté de l'islam, c'est un voyage vers l'intérieur. Et qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous avez une remarque? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ce soir, Inch'Allah, on va voir la...